Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, les éditions Didier sont heureuses de vous présenter une nouvelle collection pour aider les apprenants des niveaux A1 et A2 à améliorer leur maîtrise de la grammaire. Alors, à qui s'adresse cette nouvelle collection qui s'appelle Exercice de grammaire et conjugaison du français? Eh bien, cette nouvelle collection s'adresse aux grands adolescents à partir de 15-16 ans et aux adultes pour un usage en autonomie ou en classe. Maintenant, que contient cette nouvelle collection? Eh bien, tout d'abord, des règles qui sont expliquées de façon très simple, puis des exemples oralisés, de nombreux exercices, bien évidemment, pour travailler les règles, des tests, des corrigés et les transcriptions, un index pour la grammaire comme pour la conjugaison, et une application pour accéder facilement aux audios et aux activités complémentaires. Alors, vous allez le voir tout à l'heure, la structure est très claire puisque vous avez une page dédiée à la règle, la page de gauche, et une page dédiée aux exercices, la page de droite. Vous allez retrouver pour le A1 comme pour le A2, 470 exercices. Nous avons souhaité séparer la grammaire et la conjugaison. Donc, vous avez dans l'ouvrage une partie grammaire et une partie conjugaison avec un code couleur, violet pour la grammaire, orange pour la conjugaison. Et enfin, des exercices interactifs qui viennent compléter la méthode. Prenons l'exemple d'une leçon de grammaire. Vous retrouvez donc à gauche la règle, à droite les exercices. Si on regarde la règle à gauche, on voit qu'elle est divisée en plusieurs parties. Ici, pour les articles, vous avez le singulier, le pluriel et la négation. Nous avons souhaité avoir un minimum de métalangage et un maximum d'exemples pour expliquer la règle. Ces exemples sont oralisés pour permettre à l'apprenant de mémoriser la prononciation. Et vous allez retrouver également des indications pour la prononciation. Voici un exemple. Page 16, le pluriel. Un restaurant, des restaurants. Un homme, des hommes. Une maison, des maisons. Une femme, des femmes. Prononciation. Des oiseaux. Des hôtels. Ensuite, vous allez pouvoir remarquer que vous avez des points d'exclamation dans des petites étoiles. Or, ces points d'exclamation indiquent à l'apprenant qu'il y a une particularité ou des exceptions à cette règle. Et comme vous pouvez le voir, enfin, chaque règle se termine par un mémo. Dans ce mémo, vous retrouvez un tableau synthétique de la règle. Prenons la page de droite maintenant, les exercices. Donc, vous allez trouver une grande variété d'exercices, notamment des exercices audio. Et vous retrouverez pour chaque leçon deux activités interactives complémentaires sur smartphone ou sur tablette. Pour la partie conjugaison, ça se présente de la même façon. Vous allez retrouver des exemples oralisés. Et puis, ici, par exemple, on présente le verbe avoir et être et on va montrer à l'apprenant dans quel cas il faut utiliser avoir, dans quel cas il faut utiliser être. On retrouve un grand nombre d'exercices, des exercices audio également. À la fin de l'ouvrage, on retrouve tout d'abord les tableaux de conjugaison. Donc, ça permet de voir en un seul coup d'œil tous les verbes qui sont travaillés dans l'ouvrage. On retrouve des tests, donc plusieurs tests, 15 pour le A1, 12 pour le A2. Ça permet effectivement à l'apprenant de vérifier ses acquis. On retrouvera dans l'ouvrage, à la fin de l'ouvrage, donc les corrigés et les transcriptions. Et également un index pour la grammaire et un index de la conjugaison pour retrouver plus facilement, plus vite, ce que nous recherchons. Et enfin, cette application OnPrint, application qui est gratuite à télécharger sur son smartphone ou sur sa tablette,
et qui permet d'accéder très facilement et très rapidement aux audios, à tous les audios du livre, et également à toutes les activités complémentaires du livre pour accéder donc à des exercices interactifs. Donc, vous en avez 86 pour le niveau A1 et vous en avez 130 pour le niveau A2. Si vous préférez télécharger les audios, ils seront très prochainement disponibles à cette adresse qui s'affiche sur le site des éditions Didier. Eh bien, voici pour cette présentation de cette nouvelle collection. Je vous invite à la retrouver, à la feuilleter en ligne. Vous retrouverez des extraits pour chacun des deux niveaux et vous faire un avis. Merci beaucoup. Au revoir.